Tout se passe pour le mieux du côté de Saint-Barthélemy, où Laure Boulot est en train de passer des vacances de rêve. L'ancienne joueuse a publié un joli selfie sur la plage, sans oublier d'amener son ballon, toujours à ses côtés. Pendant que les joueurs de football regagnent les uns après les autres leur club, il y en a une pour qui les vacances démarrent tout juste. Depuis quelques jours, Laure Boulot se trouve sur l'île de Saint-Barthélemy et visiblement les vacances se passent à merveille. L'ancienne joueuse de l'équipe de France est du genre active sur les réseaux sociaux et depuis son arrivée sur l'île des Caraïbes, elle n'hésite pas à partager de bons moments avec sa communauté. Ce jeudi 6 juillet, la grande sportive de 36 ans a décidé de publier un joli selfie d'elle depuis l'une des nombreuses plages paradisiaques qui composent l'île. Sur la photo, on peut la voir dans son superbe bikini rose et elle paraît déjà très bronzée. Passionnée de football et consultante depuis plusieurs années maintenant sur Canal+, Laure Boulot est née avec un ballon dans les pieds et même à l'autre bout du monde, elle n'hésite pas à en ramener un. Les meilleures siestes du monde et le meilleur oreiller aussi, plaisante-t-elle en légende de sa publication, qui a déjà récolté plus de 50 000 likes. Un maillot qui passe mal auprès des fans français après une nouvelle saison très chargée en tant que consultante dans l'émission Canal Football Club, où elle partage le temps d'antenne avec l'animateur Hervé Matou et plusieurs consultants de luxe, dont Habib Bey, la jolie blonde originaire de Clermont-Ferrand, puis de Dôme, a donc décidé de s'offrir quelques jours de repos bien mérités. Pour ses vacances, elle a d'ailleurs décidé d'emporter un maillot de l'Argentine, floqué du numéro 10 de Lionel Messi. Malheureusement pour elle, ce maillot ne passe pas vraiment auprès de ses fans français, surtout après la défaite lors de la dernière Coupe du Monde. Laure, si est-ce quoi ce maillot? Non, Laure, pas toi, pas après tout ce que tu as fait, lui demande un abonné, tandis qu'un autre fait part de son mécontentement, je ne valide pas la pose avec un maillot de l'équipe d'Argentine. Franchement, si est très maladroit et vraiment je ne comprends vraiment pas le concept. Malgré ses petits tracas, Laure Boulot s'éclate à Saint-Barth et elle l'a encore montré hier.